C'est des magnifiques photos de vous. Et vraiment, ça me fait. Je cherche ce livre partout. Eh bien, moi, j'ai eu la chance de l'avoir. Et on me l'a offert. Et je le conserve précieusement. Oui, c'est tellement magnifique. Oui, vous avez, j'ai passé 35 ans, 36 ans de ma vie. Vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés au Golf Draw au début du. Quand on a tous commencé. C'est pour ça qu'ils m'ont demandé tous les trois de faire le reportage sur la vieille canaille, parce que j'ai commencé en même temps que Jacques, dit et Johnny au Golf Draw. Je commençais avec des chaussettes noires. La dernière photo que vous aviez faite de lui, c'est pendant les vieilles canailles. C'est pas la dernière tournée. Et ces photos, elles ne sont pas sorties aussi? Il y en a quelques-unes qui sont sorties. Un petit studio que j'avais monté tous les trois en vitesse, donc j'ai dû passer dans l'âge. Et c'était comment? Ah, j'ai fait, comme il ne voulait pas qu'on en parle, j'ai fait comme s'il n'était pas. Vous savez, j'ai eu un concert du Bourbon il y a 12 ans, on m'a enlevé un peu main, j'ai tenu le coup, j'ai pas arrêté de lui dire, bon, j'ai tenu, il n'y a pas de raison qu'il ne tienne pas, donc c'est tout ce que je pouvais faire, donc il a tenu le plus possible, il ne voulait pas qu'on en parle. Et son truc, c'était d'être sur la scène. Et c'était émouvant de prendre ces photos des trois, là, 50 ans après. Oui et non, parce que on continue à déconner. Donc, non, c'est pas émouvant, non. C'est comme, vous savez, j'ai du mal à imaginer que je vais pas le revoir. C'est pas, pour moi, il n'est pas parti. Quoi.